Bonjour, je suis le docteur Annick Lenestour, pédopsychiatre, psychanalyste. J'ai eu le privilège de construire dans mon service public un centre de périnatalité pour la prévention et les soins précoces. Ce livre fut un vrai challenge puisque les auteurs associés sont mes collaborateurs expérimentés et passionnés par leur travail. Psychologue, psychanalyste, éducatrice, puéricultrice, psychomotricienne, orthophoniste et assistante sociale. Une vraie pluridisciplinarité mise à la disposition des familles des Hauts-de-Seine. Ce livre est le fruit de nos travaux durant 25 années et son originalité réside dans le fait que l'objectif est essentiellement la prévention et les soins précoces. Toutes les familles des Hauts-de-Seine peuvent venir consulter et être prises en charge. Chaque prise en charge est adaptée à chaque situation avec des soins les plus intensifs possibles. Aucune pathologie ou trouble n'est éliminée. Nous consultons et prenons en charge des patients depuis les troubles mineurs de la construction de la parentalité et des troubles mineurs des bébés jusqu'à des situations très complexes avec une attention très particulière pour les familles vulnérables, voire maltraitantes. La souplesse des prises en charge et sa rigueur est un exemple pionnier d'aventure en périnatalité. L'originalité donc de ce livre est de montrer l'intense travail avec des familles diverses et variées dans des cadres thérapeutiques les plus ajustés possibles. Co-thérapie, co-consultation, prise en charge en psychomotricité et en orthophonie, prise en charge sociale, éducative, prise en charge à plusieurs dans une interdisciplinarité rigoureuse. Ce livre s'adresse bien entendu à tous les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance et est très accessible. Il est évident que le travail de partenariat qui devrait faire le tissu d'un second ouvrage est essentiel à nos pratiques puisque nos collègues de prévention et de soins, voire de l'aide sociale à l'enfance, nous adressent des familles qui nécessitent des liens intenses et ténus. Nous remercions donc tous ces professionnels avec lesquels nous œuvrons de manière très rigoureuse. Nous remercions bien évidemment toutes les familles qui ont été prises en charge avec la plus grande disponibilité et la plus grande attention et qui ont infiniment valorisé notre travail avec eux. Nous avons bien sûr valorisé leur travail avec nous. Je vous remercie pour votre attention.